Ce départ est absolument magnifique, regardez ça. Regardez le réglage des bateaux. Ce bateau, je pense que c'est le 7 qui est en tête. 7,45,71. Le premier passage à la bouée, c'est le moment difficile, ça. Hein. Surtout quand il y a tous les bateaux. Superbe. Superbe. Va devoir tourner, là. Le 71 a pris la tête. Le 7, tourner, le 60. Oh, bien, bien. Avec une appréhension que l'on voit ces premiers passages où chaque bateau prend son allure et il se trouve avec un plan d'eau exceptionnellement perturbé dans un virage. Le premier virage avant et puis ensuite à la descente, chacun prend un petit peu son réglage, rend son bateau le plus aérien possible tout en gardant le contrôle afin de pouvoir créer un écart. Le 71, le 7, le 35, le 60, le 45, le 79, le 80. Voici donc ce deuxième tour et regardez bien. Le tout, c'est la partie la plus dangereuse, ce sont évidemment ces virages. Ouf! C'est vrai que c'est avec une appréhension lorsqu'on les voit tous arriver en meute comme ça, groupés, quand on sait la place qu'il faut pour un bateau qui est lancé en pleine vitesse et le peu de possibilités qu'ils ont de manœuvrer pour éviter de se trouver dans un rail, puisque le sillage du bateau qui précède peut être extrêmement gênant. Voilà un beau passage. On est en aval là, 71, le 7, le 35, le 60. 7, 71, le 7. Voilà, 6, 6. Bien. On a tout lieu de penser que tous ces garçons ont bien maîtrisé et les matières.